Assalamu alaikum wa wa Vous avez donc tous entendu parler de la vidéo qui circule dans lequel une femme d'origine turque aurait rêvé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme quoi il fallait qu'elle utilise une épice et il est revenu une deuxième fois dans le rêve en lui disant qu'il fallait que cette dernière informe la communauté et car sinon le prophète sallam serait fâché ou autre. Alors ce qu'il faut savoir, une petite clarification déjà d'une part alhamdullah, il n'y a nul doute en ce que celui qui rêve du prophète sallam, c'est certes le meilleur des rêves. On peut pas avoir une vision aussi euh, magnifique que de voir le prophète sallallahu alayhi wa Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que l'islam dit sur cela Je vais vous présenter dans cette vidéo inshallah, quelques clarifications concernant l'interprétation des rêves par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لذا، أول شيء يجب معرفته هو أن في حديث أصيل، رواه البخاري ومسلم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأني في المنام فقد رأني حقاً. Celui qui m'a vu dans le rêve, c'est comme s'il m'avait réellement vu. Ça, c'est ce qu'il dit le prophète dans un hadith rapporté par le Bukhari muslim. Le Bukhari, il a d'autres variantes encore dans le hadith. بي, car ne prend pas mon apparence. Il y a aussi une autre variante de Biqatada une autre variante de Wahb ibn Abdullah une autre variante de Anas ibn Malik. Donc, il existe plusieurs autres versions de ce hadith qui tous concordent vers un seul et même unique sens dans lequel le prophète Sallallahu Shaitan, ne pourrait jamais prendre son apparence. Les ulama, ils ont divergé concernant l'interprétation du mot du hadith. Certains ont dit que le shaitan ne pourra pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité, c'est-à-dire dans le rêve. D'autres ont dit que celui qui rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le verra le jour de la résurrection et il sera probablement en sa compagnie, insha'allah. Donc, si on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, c'est qu'il était réellement comme cela. Là où je voudrais intervenir par rapport à la vidéo qui tourne et c'est devenu monnaie courante à l'heure où je parle, c'est simplement d'annoncer à mes frères et sœurs qu'il ne veut pas aussitôt par émotion suite à ce rêve-là propager tout de suite les informations à tout va pourquoi La première des choses, c'est de savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa on peut rêver de lui. Si on a rêvé de lui, eh ben, c'est qu'on l'a vu. Si on l'a vu, divergence, comme on a dit tout à l'heure soit on le verra le jour de la résurrection, soit c'est comme si l'avait réellement vu est-ce que s'il nous donne une information maintenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi sallam, est-ce que s'il nous donne une information eh ben on doit prendre en considération cette information les ulama ils ont divergé déjà d'une part il faut que ce soit concrètement le prophète sallallahu alayhi sallam qui a été vu et c'est ce que des ulama tel que ibn Hassan al-Asqalani et d'autres salaf parmi eux mêmes Abdullah ibn Abbas lorsqu'il a été questionné un homme il a dit j'ai rêvé du prophète sallallahu alayhi sallam ». il lui a dit comment il était et c'est ainsi qu'il l'a décrit et c'est là où Abdullah ibn Abbas lui a dit certes tu as réellement vu le prophète Mohammed Bref. Donc la première des questions qu'il faut poser, c'est de dire comment était le prophète sallallahu sallam. Si sa description est concordante avec la sunna, la description du prophète Muhammad sallallahu sallam qui est relatée dans la sunna, dans le shara'a, tel que les compagnons l'ont relatée dans les hadiths, dans ce cas-là, nous dirons, ok, c'est un rêve où elle a bel et bien vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne suffit pas uniquement d'entendre la voix du prophète sallallahu sallam dans le rêve ou encore de ressentir qu'il est là. Il faut, que, il faut réunir toutes ces conditions-là, à savoir l'entendre, le voir, etc. S'il nous fait passer une information, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure Tout simplement, si c'est une information, la moindre des choses, c'est de le garder à titre personnel. Et il ne faut pas en déduire de ce qu'on appelle un hukm, un statut juridique. Car ceci invaliderait certains principes ou certaines lois de, euh, de, de ce qu'on appelle de la législation islamique. Donc si ça va en contradiction avec le Coran et la Sunna, automatiquement la parole doit être rejetée car on n'a pas la certitude que c'est le Prophète sallam. Et c'est une règle qui a été établie par les spécialistes de la jurisprudence, à savoir les jurisconsultes, lorsqu'ils disent on ne peut à partir d'un rêve déduire d'un statut juridique. Donc voilà, ça c'est la règle générale. Si ce que le Prophète sallam a dit ne contredit pas le Coran et la Sunna, on peut le prendre à titre complémentaire uniquement, à titre complémentaire hormis cela si par exemple le professeur sallam t'a rêvé de lui et il te dit tiens cette fois-ci informe toute la oumma que euh, les ablutions doivent être faites euh, en commençant par les pieds je dis tout et n'importe quoi donc là dans ce cas de figure nous disons non c'est contraire aux normes que le prophète lui-même nous a enseignées, et par conséquent, ça se peut que c'était shépan, et rien nous dit que c'était une imagination de la personne. Et enfin, en finissant, inshallah, je tiens à rappeler que, bihaouli, ta'ala n'hésitez pas à partager un maximum euh, ce, cette petite clarification, afin que tout le monde ne tombe, ne tombe pas dans le piège. Donc, la moindre des choses, c'est de demander comment était le prophète Mohammed, et aussi, si ce qu'il dit euh, contredit euh, les aspects de la loi ou de la législation islamique, c'est que forcément, c'était pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a ce qu'on appelle un paradoxe. On doit toujours se tenir au Coran et à la Sunna dans toutes les circonstances. <mérés>